Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci à ceux qui sont ici même dans la salle au Musée de l'Ordre de la Libération. Merci également à ceux qui nous suivent à distance sur Internet, soit sur Facebook, soit via le formulaire Zoom. Bienvenue donc pour cette soirée culturelle du Musée de l'Ordre de la Libération qui a pour terme la recherche historique de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est une soirée un tout petit peu particulière, comme nous l'avions déjà fait anciennement, il nous a semblé intéressant de donner la parole à deux jeunes historiens de la Seconde Guerre mondiale autour de leurs travaux, mais aussi de s'interroger sur l'état actuel de la recherche historique concernant la Seconde Guerre mondiale. Comme lieu d'histoire, le Musée de l'Ordre de la Libération se doit de s'attacher à ces questions qui sont liées à l'historiographie, à son évolution, mais également essayer de valoriser avec ses moyens les travaux des jeunes chercheurs. Et j'en profite d'ailleurs pour évoquer le prix Henri Écochard qui a été créé très récemment par la Société des Amis du Musée de l'Ordre de la Libération et qui vise à récompenser un mémoire d'histoire contemporaine de Master 2 chaque année avec une dotation d'un prix de 1 000 euros qui nous considère important, que nous considérons comme une chose importante pour aider les jeunes chercheurs dont on sait que parfois 1 000 euros n'est pas pour eux quelque chose de totalement négligeable. Voilà. Donc je voudrais d'abord remercier très chaleureusement nos intervenants, à commencer par Alia Aglan, qui est professeure d'histoire contemporaine à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, que nous connaissons depuis, on se connaît depuis assez longtemps, chère Alia, qui a publié récemment « La France à l'envers, la guerre de Vichy, 1940-1945 » chez Gallimard, et un peu avant, avec Robert Franck, en co-direction, deux volumes, « La guerre monde, enfin 1937-1947, la guerre monde », également chez Gallimard. Alors, Alia Aglan nous a fait la joie de nous rejoindre. Il y a une raison, c'est que Alia est la directrice de recherche, de travaux et de thèses des deux docteurs en histoire que nous recevons aujourd'hui, Anne-Sophie Anglaret et Guillaume Pollack. Alors, je ne vais pas les présenter très longuement parce que je pense que je suis infiniment moins qualifié pour le faire que leur directrice de recherche, à qui je vais céder la parole dans 1 minute 30 environ. Ensuite, nous pourrons écouter à la fois d'abord Anne-Sophie Anglaret et ensuite Guillaume Pollack qui nous parleront justement de leurs travaux plus précisément, et peut-être même d'autres pistes de recherche. Et puis, Alia Aglan nous proposera une petite synthèse, peut-être sur l'état aujourd'hui de la recherche historiographique liée à la Seconde Guerre mondiale. Donc, quand même un mot pour dire qu'Anne-Sophie Anglaret est donc docteur en histoire, vous l'avez compris, elle a fait sa thèse, vous avez fait votre thèse sur la Légion française des combattants, qui d'ailleurs doit paraître, est-ce que c'est toujours au mois de janvier ? Au mois de janvier, aux éditions CNRS. Et Guillaume Pollack, docteur en histoire également, qui est aujourd'hui attaché temporaire d'enseignement et de recherche, c'est-à-dire à terre, en histoire contemporaine à Paris-Est Créteil, et l'auteur d'une thèse de doctorat qui s'appelle, sous la forme de sa thèse, « À travers les frontières, la résistance des réseaux 1940-1945 » et qui a été publié en mai, en juin dernier, sous un autre titre, comme c'est souvent le cas, « L'armée du silence, histoire des réseaux de résistance en France, 1940-1945 ». À l'issue de ces trois interventions, il y aura, pour ceux qui le souhaitent, tant des questions qu'on pourra poser, que vous pourrez poser, y compris à distance d'ailleurs, nos trois intervenants de ce soir. Et je termine cette courte introduction pour annoncer la prochaine soirée culturelle qui sera la dernière de l'année civile, qui aura lieu le jeudi 15 décembre, et qui sera consacré à un sujet tout à fait différent, 5 années d'acquisition du Musée de l'Ordre de la Libération, c'est-à-dire quels sont les objets, les archives, les fonds d'archives, nous sommes aussi ici un centre de recherche et d'archives, et les fonds photographiques qui sont entrés en collection depuis la réouverture du musée en 2016, au terme de 4 années et demie de rénovation. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée, et ma chère Alia, je vous laisse venir ici pour présenter Anne-Sophie et Guillaume. Merci beaucoup. Si c'est allumé, on va le savoir. C'est allumé. Eh bien, bonsoir à tous. Je suis ravie d'être là et on m'avait prévenu que la salle serait vide. En fait, elle est pleine. Il faut mieux le dire, quand même. Alors, je suis d'autant plus contente de présenter ces deux historiens qu'on ne va plus appeler doctorants. À la fin, ils sont docteurs, hein, ils sont donc historiens.
c'est qu'ils font partie des premiers thésards qui ont soutenu avec moi à Paris 1 quand je suis arrivée en 2011. Et alors, je les connais, enfin, Guillaume Pollack, je le connais depuis très longtemps parce que je l'avais connu déjà à l'Université de Nanterre. J'avais déjà été dans son jury de Master 2. Et Anne-Sophie Anglaret qui est venue travailler avec moi quasiment dès mon arrivée. La première à avoir soutenu. L'autre source de contentement, parce qu'il faut, par les temps qui courent, se réjouir des choses réjouissantes, c'est que leurs deux thèses ont été primées. Ils ont eu chacun un prix de la chancellerie, alors pas le même prix, mais enfin, ce sont des thèses qui ont tout de suite été remarquées et primées, ce qui est assez rare en réalité, parce que les prix de la chancellerie, bon, il y en a plusieurs, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de candidats de toutes les disciplines, pas seulement en histoire contemporaine. Ça, c'est la première source de contentement. La deuxième source de contentement, c'est que ce sont des thèses qui sont en train de publier ou qui ont déjà été publiées. Celle de Guillaume Pollack a été primée hier soir par l'une des annexes du prix Philippe Vianney, Défense de la France. Et celle d'Anne-Sophie va sortir, comme Vladimir vient de le dire, chez CNRS Éditions. Ce n'est pas non plus totalement évident de publier sa thèse en histoire contemporaine, vu que les thèses, ce sont en général des gros mammouths avec un appareil critique extrêmement développé et que les historiens, les jeunes historiens doivent les réécrire, les remettre en forme pour pouvoir les donner à un éditeur qui les diffusera auprès du grand public. Donc, ce n'est pas exactement le même produit, si j'ose dire, d'autant que la thèse d'Anne-Sophie avait été saluée par le jury pour sa technicité. Et la technicité, c'est l'extrême maîtrise hein, des instruments d'histoire quantitative. Donc, l'approche d'Anne-Sophie Anglaret concernant cette légion française des combattants que l'on croyait connue et qu'on ne connaissait pas si bien que ça, c'est d'avoir mobilisé tous les instruments de l'histoire sociale, de l'histoire quantitative, avec un échantillonnage. Elle a voulu regarder, je dirais presque traquer cette légion au plus près. Donc, c'est vraiment une histoire qui prend l'organisation, évidemment, dans son déroulé historique par le haut, la zone nord, la zone sud, mais elle prend aussi des départements, parce que l'une des questions qui l'a motivée dès le départ, c'était de voir quelle était l'effectivité, pour redire un mot barbare, de la présence de cette légion, l'influence qu'elle avait, les sociabilités que ça induisait, les notabilités que ça pouvait mobiliser, pour comprendre le degré d'adhésion, finalement, de la France, qu'on pourrait dire profonde, à la Révolution nationale et à certains principes de la Révolution nationale. Et alors, ce que j'avais beaucoup apprécié dans le travail d'Anne-Sophie, qui est par ailleurs traductrice, c'est quelqu'un qui maîtrise la langue, comme sans doute vous et moi ne la maîtriserons jamais. Elle a une écriture extrêmement précise, extrêmement distanciée, je dirais, presque froide. Et alors, bon, c'est des compliments que tout le jury avait remarqué, c'est qu'elle dissèque avec une très grande honnêteté et surtout, elle est toujours dans un dialogue avec l'historiographie. L'historiographie est un gros mot pour dire finalement que la production historienne, c'est un peu comme les plaques tectoniques, c'est quelque chose qui ne bouge que très lentement, alors ça a l'air immobile la plupart du temps, mais quand on avance, ça peut être de quelques millimètres, mais c'est quelques millimètres de gagné et qui apporte de la connaissance. Et c'est le cas, évidemment, de cette thèse qui va, j'espère, être lue par un grand nombre quand elle sortira chez CNRS Éditions. Alors, pour Guillaume Pollack, son sujet ressemblait à un iceberg, parce que en discutant avec Guillaume a commencé à travailler sur l'utilisation des idées de Jean Jaurès, mais dans la collaboration. Donc c'était déjà un sujet extrêmement bizarre, il faut bien le dire, puisque la référence à Jaurès n'aurait pas été tout à fait évidente sous la plume des collaborationnistes. Donc il avait fait lui aussi son enquête de terrain. La grande qualité de Guillaume Pollack, c'est que c'est un mangeur d'archives, hein. C'est un bulldozer, Anne-Sophie aussi d'ailleurs, mais bon, voilà, il a cette capacité
avait fouillé un très grand nombre d'archives. Et puis, il a eu cette capacité aussi de changer complètement de sujet. Quand je lui ai dit, ce serait bien finalement que vous travailliez sur les réseaux de résistance qui sont un peu les parents pauvres de cette historiographie qui avance tout lentement. Bon, avec Guillaume, on était parti sur la notion de frontière, c'est-à-dire la manière dont les réseaux se jouaient des frontières. Et contrairement à ce que l'on croit savoir, il n'y a pas seulement deux zones hein, dans la France occupée, il y en a au moins 6 ou 7. Et je ne compte pas les frontières nationales, la Suisse, l'Italie et l'Espagne, évidemment. Et donc, il est allé au SHD, il a commencé à regarder des archives, il est revenu voir, il m'a dit, mais madame, tous les réseaux traversent des frontières. Donc, en fait, je vais les prendre tous. Et donc, voilà, c'est son côté un peu goinfre. Il a pris tous les réseaux, donc il y avait des archives en France, et ce qui faisait quand même voilà, plus de 260 réseaux homologués, évidemment, après la guerre. Donc, cette notion de déplacement, voilà, c'est ce que vous avez en commun tous les deux. L'autre sujet commun d'intérêt, bien que vous ne travaillez pas sur les mêmes objets, c'est que finalement, vous avez voulu et réussi, je crois, à prendre vos sujets à diverses échelles. Et ça, les jeux d'échelle, ça fait partie du renouvellement historiographique de la Seconde Guerre mondiale. C'est qu'on essaye de voir au plus près des phénomènes que l'on connaît à des échelles nationales ou à des échelles continentales, voire mondiales. Et donc, essayer de mettre en rapport, voire d'articuler ces échelles, ça fait partie, évidemment, des défis des historiens. Enfin, le dernier point commun qu'il y a entre vos deux travaux, je dirais, c'est de pouvoir produire aussi une histoire de l'ordinaire. Je m'arrête là, parce que je suis pas trop long. Une histoire de l'ordinaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu, et Guillaume pas plus qu'Anne-Sophie, n'ont voulu considérer les légionnaires comme des phénomènes bizarres. Et dans la clandestinité des résistants, Guillaume a envie de savoir aussi, ça s'interroge, sur la vie ordinaire de ces hommes et des femmes. Il s'intéresse aux femmes, il s'intéresse à la répression, mais il a aussi cette appétence à partager ce qui fait qu'un résistant, c'est monsieur, madame, tout le monde. C'est pas c'est pas James Bond, c'est la résistance, donc des familles, des groupes d'amis. Comment se forment les groupes, comment ils se déforment, comment ils se défont, comment il y a des histoires de trahison, des arrestations qui vont remodeler tout ça. Donc, pour conclure ma brève introduction, une histoire qui est réussie, enfin doctorat, des recherches de doctorat qui sont réussies, ce sont des recherches qui donnent, qui posent de nouvelles questions, qui décloisonnent, qui modifient les angles d'approche et qui donc vont donner lieu, j'imagine, à d'autres types de recherches, peut-être menées par vous, peut-être par d'autres. Voilà, en tout cas, je voulais commencer par dire ces quelques mots. Je vais laisser la parole à Anne-Sophie pour présenter ses travaux un peu plus en détail. Voilà. Donc, merci pour cette introduction. Ça marche, hein? Oh, c'est bon, on ne s'en rend pas compte du tout. Donc oui, mon travail a porté sur une organisation qui s'appelle la Légion française des combattants et qui m'a semblé, comme ça a été dit, particulièrement intéressante pour comprendre la société française sous Vichy. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, je vais expliquer déjà brièvement ce qu'est la Légion française des combattants. Donc, vous le savez certainement, dans l'entre-deux-guerres, il y avait un grand nombre d'organisations combattantes, donc des associations combattantes, qui réunissaient pour certaines, c'était des grandes fédérations qui réunissaient des dizaines de milliers d'adhérents. Pour d'autres, c'était des petites associations dédiées à des invalidités particulières ou à des corps de métiers particuliers. Et durant l'été 1940, à l'instigation notamment de Xavier Vallat, qui est à ce moment-là le secrétaire général aux anciens combattants, il est décidé de dissoudre toutes ces organisations et de créer une organisation unique sous la présidence du maréchal Pétain, donc c'est la Légion française des combattants. Et la création de cette organisation s'inscrit vraiment dans le programme de la Révolution nationale. Donc, les présupposés de la Révolution nationale, c'est que la guerre a été perdue à cause de la décadence des Français. Donc, le maréchal Pétain incrimine beaucoup l'esprit de jouissance, on accuse beaucoup la République, le parlementarisme.
Et donc, il faudrait redresser la France en ignorant presque quelque part l'occupation allemande. C'est l'idée qu'on peut se redresser alors que le pays est occupé. Évidemment, c'est une illusion, mais la Légion entre totalement dans cette illusion-là, puisqu'on pense que les anciens combattants ayant déjà défendu une fois la France sont une sorte d'élite morale qui sont à même de la redresser, y compris pendant l'occupation. Donc, voilà, c'est juste pour vous montrer un exemple de la propagande. Voilà, la Légion produit beaucoup, beaucoup d'affiches de propagande en tout genre. Donc ça, c'est un exemple voilà, de cette propagande comme quoi la Légion va redresser la France. Alors, en soi, la Légion n'a pas vraiment de rôle défini, c'est-à-dire qu'elle n'a aucun pouvoir administratif, elle ne contrôle aucune structure. Simplement, on considère qu'elle va faire pénétrer l'idéologie du régime au sein de la société. Et c'est là où, à mon avis, elle constitue pour les historiens un objet vraiment très intéressant, parce qu'on connaît très bien la propagande du régime de Vichy, on connaît très bien l'idéologie de la Révolution nationale, mais la question du rapport de la population à cette idéologie, de l'adhésion ou non de la population à cette idéologie, en tout cas, elle a été, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle a été assez peu étudiée. Et là, la Légion est un outil très intéressant. On est dans un régime où il n'y a plus vraiment d'instance démocratique. Et donc, l'idée, c'est que la Légion doit être ce que Jean-Paul Cointet, qui avait fait une thèse avant moi sur la Légion, a appelé une courroie de transmission entre le gouvernement et la population, puisque la Légion doit avoir une section dans chaque commune du pays. Le tout en jouant, bien sûr, sur l'idée que les anciens combattants, non seulement sont une élite morale, mais en plus seraient particulièrement susceptibles de suivre le maréchal Pétain parce qu'ils se souviennent de la Grande Guerre, etc. Et donc, la Légion est organisée avec une structure pyramidale. Il y a le directoire national qui est installé à Vichy, tout près du pouvoir, une union par département, des unions départementales, et une section par commune, y compris dans les communes les plus petites. C'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas du tout de faire des grandes sections, mais c'est d'être présent absolument partout. Donc, en termes de pénétration au moins géographique, c'est une organisation qui est assez exceptionnelle. Et ce qui la rend d'autant plus intéressante, c'est que l'adhésion est volontaire. On n'est pas contraint. Y compris quand on a une carte du combattant, y compris quand on perçoit une retraite du combattant, on n'est pas du tout obligé d'adhérer. Et il n'y a pas non plus d'obligation déguisée comme on peut en connaître pour les partis uniques de certains pays autoritaires, donc par exemple où il faut la carte pour rentrer dans la fonction publique, par exemple. Là, ça n'existe pas. L'adhésion est volontaire. Alors évidemment, de temps en temps sur place, il y a des pressions, surtout que, en particulier dans les petites communes, les présidents de section sont des notables, donc ils ont un petit peu de pouvoir sur les gens autour d'eux. Donc, il y a des exemples comme ça de châtelains qui font entrer toute leur domesticité dans la Légion, ou alors j'ai un exemple de directeur de papeterie qui prélève la cotisation au moment de la paye. Donc, voilà, au moins, c'est clair. Mais en fait, c'est assez marginal. Enfin, j'ai des raisons de penser que c'est assez marginal et assez peu efficace, et que donc l'adhésion est réellement volontaire. Ce qui fait que cet acte d'adhésion est intéressant pour savoir quelle part de la population va rentrer volontairement dans une organisation qui s'affiche clairement comme une organisation vichyste. Alors, du point de vue des effectifs, il n'y a aucun doute, c'est un énorme succès. D'abord, il faut préciser que la Légion n'est pas autorisée en zone nord, puisque les Allemands n'en veulent pas. Et donc, elle est uniquement en zone sud. Et donc, c'est-à-dire que c'est un territoire assez restreint, non seulement en termes géographiques, mais aussi en termes de population, puisque les grands bassins de population sont plutôt en zone nord. Et donc, sur ce territoire quand même assez restreint, la Légion parvient quand même à recruter 1 150 000 personnes. Alors, si on ajoute l'Empire, sur lequel, malheureusement, moi, je n'ai pas pu travailler directement, mais si on ajoute l'Empire, c'est 1,5 million. Ce qui veut dire, pour donner une idée, que dans les départements de zone sud, si on prend l'ensemble de la population adulte masculine française, environ 20% sont légionnaires. Donc, c'est absolument phénoménal comme succès. Et la Légion fait beaucoup de propagande autour de ce succès. Vraiment, sa force, c'est ses effectifs. Elle affiche ses effectifs dans la presse, elle affiche ses effectifs, enfin, elle fait des affiches, elle fait beaucoup de grands rassemblements. Voilà, là, j'ai mis... Alors, elle est un peu coupée, ma photo. En fait, c'est pas la photo la plus... Malheureusement, il y a beaucoup de photos des rassemblements légionnaires, mais c'est plutôt paru dans la presse et de très, très mauvaise qualité. Donc, voilà, là, on voit qu'il voilà, y a beaucoup de rassemblements. Ça, c'est à Grenoble, en 41. On fait beaucoup de rassemblements avec beaucoup de grands défilés. L'idée, c'est vraiment de s'imposer dans l'espace public. Et c'est un succès qui a été assez largement interprété à l'époque, mais aussi par les historiens, comme la conséquence de la popularité du maréchal Pétain chez les anciens combattants. En fait, si on se penche sur les chiffres, c'est un peu plus compliqué que ça. D'abord parce qu'on remarque que la Légion française des combattants, proportionnellement sur le même territoire, rassemble moins de combattants que les organisations de l'entre-deux-guerres.
Donc le succès devient assez relatif, puisqu'elle fait moins bien que les organisations qui l'ont précédée. Un peu moins bien, pas beaucoup moins bien, mais un peu moins bien. D'autre part, si on regarde les disparités au niveau local, donc j'ai dit qu'il y avait environ 20% de la population qui adhérait, enfin de la population masculine adulte française qui adhérait. En fait, évidemment, tout ça, enfin, c'est une moyenne, donc ça varie entre 12 et 33%, et les variations s'expliquent beaucoup par le succès des anciennes organisations combattantes. C'est-à-dire que la Légion est forte, là où les anciennes associations avaient des effectifs importants, notamment parce que la composition sociale reste assez similaire, c'est-à-dire que il y a, comme dans les associations d'entre-deux-guerres, on a beaucoup plus d'agriculteurs que d'ouvriers, donc c'est une organisation qui réussit beaucoup mieux dans les départements très agricoles que, par exemple, dans le Rhône, qui est beaucoup plus industriel. Par ailleurs, si on s'intéresse aux dates d'adhésion, on se rend compte que c'est très indépendant des événements politiques et de la propagande de Vichy. Par exemple, j'ai essayé de m'intéresser aux jours où le maréchal Pétain prononce des discours radiodiffusés, ou alors les jours où il se rend en visite dans certaines communes. On pourrait penser que ça fait un peu monter les adhésions. Pas du tout, ça n'a absolument aucun effet, tout simplement parce que, notamment dans les villages, les gens adhèrent au moment où la section ouvre. En fait, voilà, c'est le jour, le week-end, la semaine où la section ouvre. Là, il y a beaucoup d'adhésions et ensuite, ça s'arrête assez vite. Ce qui fait penser qu'il y a plutôt un transvasement en fait, de l'ancienne association combattante dans la section légionnaire et que ce sont les mêmes personnes en fait, qui passent, comme leur association est dissoute, ils vont s'inscrire à la section de la Légion. Donc, on pourrait se dire, finalement, c'est une organisation qui n'est pas très politique et qui ne fait que reprendre ce qui existait déjà dans les années 30. Mais évidemment, là encore, c'est un peu plus compliqué. Parce que d'abord, il y a différents profils de sections. Au niveau départemental, j'ai dit que le succès dépendait beaucoup de l'implantation des anciennes associations. Alors c'est vrai, c'est ce qui compte le plus, mais parfois on note quelques écarts intrigants dans des départements où ça ne fonctionnait pas bien avant 1940 et où là, tout à coup, la Légion a beaucoup de succès. Et ces écarts s'expliquent en fait pour des raisons politiques, c'est-à-dire que c'est des départements où la droite remportait d'importants succès électoraux dans les années 30. Alors, le département le plus symbolique de ça, c'est les Alpes-Maritimes, qui va être, pendant toute l'histoire de la Légion, le département le plus politisé et aussi le département le plus innovant de l'organisation. C'est un département qui est dirigé par Joseph Darnand, que vous connaissez sûrement plutôt comme chef de la milice. Voilà, donc ça, c'est Darnand. Alors, c'est Darnand en mars 40, il était déjà célèbre parce qu'il était considéré comme un grand héros combattant, d'abord parce qu'en 18, il avait participé à un coup de main qui avait permis de récupérer des documents importants sur l'offensive allemande, et ensuite parce qu'en 40, il s'était fait connaître aussi par des opérations de type un peu commando, bon, notamment il avait été récupérer le corps d'un officier entre les lignes ennemies, et donc il est considéré comme déjà un héros combattant, mais c'est aussi quelqu'un à ce moment-là qui a un passé politique assez chargé, donc il a milité dans l'entre-deux-guerres dans beaucoup d'organisations d'extrême droite, en passant pas mal de l'une à l'autre, hein, parce qu'il n'avait pas le... Enfin, il n'était pas très stable en termes de fidélité aux organisations, semble-t-il. Donc, il a fait partie des Camelots du Roi, de l'Action française, du Parti populaire français, etc. Et dès le départ, lui, il va donner une coloration politique très, très importante à la Légion dans son département, déjà par ses discours, qui sont très virulents contre les Juifs, la République, les francs-maçons. Bon, ça, c'est le cas un peu partout dans la Légion, mais lui a une façon beaucoup plus violente d'afficher cette idéologie-là. Et puis par des créations spécifiques qui en fait vont essaimer ensuite dans le reste de la Légion. Par exemple, c'est lui qui crée les Amis de la Légion, c'est-à-dire le fait d'accueillir des adhérents qui ne sont pas combattants et qui donc en général ont un profil beaucoup plus politique. Donc ce qui fait que ça change un petit peu, on n'est plus, de fait, quand il y a beaucoup d'Amis de la Légion, on n'est plus dans une organisation principalement combattante. Et puis surtout, sa création la plus célèbre, c'est le service d'ordre légionnaire, le SOL, donc qui est supposé, parce que lui trouve que la Légion c'est un peu trop mou, et donc... Il veut faire un groupe d'élite avec des gens déjà plus jeunes et plus actifs. Donc, le SOL, c'est un groupe beaucoup plus paramilitaire. La Légion, ce n'est pas vraiment paramilitaire. Ils n'ont pas d'uniforme, ils défilent un peu n'importe comment. Lui, il cherche quelque chose de beaucoup plus paramilitaire. Et donc, le SOL, à partir de 1942, va être étendu à toute la Légion et à partir de 1943, va prendre son indépendance. Et c'est là que ça va devenir la milice française. Donc, sachant qu'à ce moment-là, Darnand part pour diriger la milice, mais en revanche, la Légion des Alpes-Maritimes reste dirigée par les gens avec qui il a travaillé jusqu'en 42. Donc voilà, donc il y a ce profil de section dans les Alpes-Maritimes qui est très très politisé, très très virulent. Dans d'autres départements, la situation est très différente. Je suis intéressée par exemple au département du Tarn-et-Garonne. Alors là, il ne se passe pas grand-chose en fait. Il y a peu d'activités et il y a assez peu de non-combattants. Donc on reste vraiment dans quelque chose par contre de très traditionnel qui suit vraiment ce qui se passait dans les années 30. Il y a donc des sections qui ont un profil plus ouvertement engagé que d'autres. Cela dit, il ne faut pas penser que dans les sections plus discrètes,
On n'a aucune idée des politiques, parce que ce qui est remarquable quand on se penche sur les traditions combattantes, c'est qu'on voit une assez grande continuité entre les pratiques et les propos des années 30 et les pratiques et les propos de la Légion à partir de 1940. Donc, par exemple, la Légion publie sa propre presse. Alors, la Légion a beaucoup d'organes de presse. Elle a notamment un journal qui est très intéressant parce que l'abonnement est inclus dans le prix de la cotisation. Donc, ça veut dire que tous les légionnaires le reçoivent, et c'est un journal qui s'appelle Le Légionnaire, donc qui est publié de 1940 à 1944. Et quand on s'intéresse au contenu des légionnaires, on voit de très grandes similitudes, sans surprise évidemment, hein, dans les éditoriaux des légionnaires, entre le vocabulaire utilisé et le vocabulaire des discours et messages du maréchal Pétain. On a une grande similitude de vocabulaire qui est orientée à la fois autour, bien sûr, de la patrie, de la rénovation, de l'obéissance au chef. Voilà, rien de surprenant là-dedans, mais ce qui est intéressant, c'est que si on fait la comparaison cette fois avec la presse combattante des années 30, on trouve tout autant de points communs. Alors, à la fois parce que, d'une part, les rédacteurs sont les mêmes, en très grande partie, en tout cas ceux qui signent leurs articles, donc les rédacteurs les plus en vue. Ensuite, les sujets abordés sont très similaires, il y a bien sûr les droits des anciens combattants, mais il y avait aussi, dès les années 30, une grande place accordée aux questions morales, à la famille, et notamment à l'antiparlementarisme, à la critique des partis. Donc ça, c'est très important dans la presse combattante des années 30. Alors, je ne peux pas trop, je vais pas nuancer ici, mais voilà, ça dépend un peu des organisations. C'est globalement important. Il y a des organisations, bien sûr, chez qui c'est plus virulent que dans d'autres. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui était déjà important dans la presse des années 30 et qu'on retrouve de la même façon, exprimé de la même façon en plus dans la presse légionnaire. C'est-à-dire que dans les deux cas, on est dans un discours très catégorique, très moralisateur, qui s'exprime voilà, pareil. Donc ça, c'est valable pour la presse, cette continuité, mais c'est aussi valable pour, par exemple, si on prend les rituels, alors je ne vais pas développer ici, mais juste pour vous prendre un exemple, bon, là, c'est typique, le premier anniversaire de la Légion, vous avez la flamme du soldat inconnu et la tête du maréchal Pétain par-dessus. Donc il y a vraiment la volonté de faire un syncrétisme entre les traditions combattantes et l'idéologie de la Révolution nationale, syncrétisme qui s'avère en fait très très facile, ce qui laisse penser que l'héritage des associations de l'entre-deux-guerres, c'est aussi celui d'une acculturation à un discours moral et politique, ce qui fait que même dans les sections où on ne fait pas de grandes déclarations d'intention, où on n'a pas une grande activité, c'est difficile de dire si on s'intéresse au discours de propagande, c'est difficile de dire si on y est indifférent, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas être surpris. C'est-à-dire qu'il y a une grande continuité entre ce qu'on pouvait lire au sein de sa section combattante et au sein de sa section légionnaire. Donc, il y a bien un transvasement assez facile des associations, même si c'est à des degrés divers selon les associations, à la Légion, mais ce transvasement, il ne serait pas du tout possible, il ne serait pas imaginable sans cette politisation un peu à bas bruit qui fait que les adhérents étaient déjà ouverts et habitués à ce type de discours. Donc c'est une forme de réinscription dans le temps long de la Légion, enfin le temps long, je parle de 30 ans, hein, tous les historiens ne diraient pas que c'est du temps long, mais en tout cas c'est plus long que juste Vichy, c'est une forme de réinscription dans le temps long et qui s'observe aussi quand on regarde le déclin de l'organisation. Donc, en général, dans les histoires de Vichy, on considère que la Légion, à partir de 1942, décline énormément. Pourquoi 1942 ? Parce que, d'abord, c'est le retour au pouvoir de Pierre Laval, au mois d'avril, et Laval n'est pas du tout un inconditionnel de la Légion. En général, il se considère plutôt comme un pragmatique, donc les grands discours moraux, légionnaires, ça n'intéresse pas du tout. Et puis, ensuite, il y a évidemment, au mois de novembre, le débarquement en Afrique du Nord, l'invasion de la zone sud, donc tout ça qui pose quand même un gros problème à la crédibilité de Vichy et partant de la Légion. Donc on pourrait se dire, en général, ce que disaient les historiens, c'était à ce moment-là, la Légion se dépeuple. En fait, non, c'est-à-dire que si on regarde vraiment les cotisations, la plupart des gens continuent à payer leurs cotisations. En 1943, il y en a une partie qui partent, mais ce n'est pas du tout la majorité. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que chez les cadres, on note qu'il y a une grande fidélité à l'idéologie de la Révolution nationale, même quand le gouvernement n'y croit plus. Alors ça les pousse à avoir des attitudes complètement différentes, c'est-à-dire que certains cadres vont s'accrocher à leur poste de cadre légionnaire parce qu'ils considèrent que c'est leur devoir de révolutionnaire national de rester, alors que d'autres vont partir en disant « voilà, on ne me donne plus les moyens de faire mon travail », mais ils ne partent pas en disant qu'ils ont été trompés par Vichy ou qu'ils ont changé d'avis. Ils considèrent juste qu'on ne leur donne plus les moyens d'accomplir la révolution nationale pour laquelle on les a appelés. Et donc voilà, j'ai évoqué avant le fait que tout ce programme de la révolution nationale était déjà très ancré dans une partie de la population. Et ce qui découle de cet ancrage profond, c'est que la Révolution nationale se survit à elle-même chez ces gens qui y croient encore, alors que le gouvernement n'y croit plus tellement. Et donc, je vais terminer par là. En ce sens, c'est l'étude de la Légion, notamment des rythmes d'adhésion
de démission, c'est vraiment intéressant pour répondre à la question que j'avais évoquée, c'est-à-dire la pénétration des idées du régime dans la société. Donc là, c'était un tour d'horizon très rapide, mais j'espère avoir un peu montré que cette pénétration, elle s'appuie sur un syncrétisme avec des idées et des pratiques qui étaient déjà présentes, qu'elle varie en fonction des milieux, c'est-à-dire que tout le monde n'adhère pas, mais qu'elle varie aussi en intensité. Tout le monde n'adhère pas de la même façon. Évidemment, Joseph Darnand, à ce niveau-là, est un exemple extrême. Et puis que cette pénétration des idées du régime est moins sensible que ce qu'on pourrait penser, en fait, au tournant politique de Vichy et même au tournant géopolitique de la guerre. Voilà. Merci. Merci, merci beaucoup. Eh bien, on va donc inviter à la suite Guillaume Pollack. Bonsoir, tout le monde m'entend bien, oui, je pense. Bonsoir, merci tout d'abord à l'Ordre de la Libération et à Vladimir Toplin pour son invitation. Merci beaucoup, chère Alia, pour m'avoir sollicité. Et bravo, Anne-Sophie, aussi, pour ce livre que j'ai beaucoup d'impatience à lire. Alors, Alia, là, vous l'avez dit, hein, j'ai un peu changé de braquet entre mon master et ma thèse, mais la question qui m'a amené à m'intéresser à la Seconde Guerre mondiale en général, c'est une question finalement de fond. Comment est-ce que les hommes et les femmes réagissent face à une situation de crise majeure comme le fut la défaite de 1940. Pendant 2 ans, j'ai travaillé sur des collaborationnistes parisiens. Au bout de 2 ans, j'en avais un petit peu marre de lire de la littérature pro-nazie. Donc, du coup, il est vrai que j'ai accueilli cette proposition d'Alia Aglan de travailler sur les réseaux avec beaucoup d'intérêt. Et puis, ça me permettait un petit peu de changer un peu de perspective et d'englober la question des engagements qui est au cœur de ma réflexion. Puisque ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est l'engagement des hommes et des femmes en situation de guerre et en situation de combat. Alors, la première question, effectivement, quand je me suis posée, Alia Aglan me dit « il y a les réseaux de résistance », je me suis dit « très bien, qu'est-ce que c'est ?» Et je me suis rendu compte en lisant, j'ai fait comme tout le monde, hein, j'ai ouvert le moteur de recherche à ma disposition, j'ai tapé réseau, et je me suis rendu compte que dans la presse, et certains écrits académiques aussi, finalement, tout est réseau. Toutes les organisations clandestines, on leur affile le mot réseau, ce qui n'a pas manqué d'ailleurs d'agacer un certain nombre d'acteurs. Je repense à Claude Bourdet, notamment dans L'Aventure incertaine, qui a dans le chapitre 5 des pages, mais c'était quand même 8 membres du mouvement combat, on avait assez qu'on appelle le réseau combat, et a dit, mais c'était quand même pas la peine de faire des mouvements, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, etc. Donc, la première chose que je me suis posée, c'est finalement qu'est-ce que c'est qu'un réseau. Alors, évidemment, je ne vais pas vous proposer une définition simple en 3 lignes, parce que sinon, ce ne serait pas drôle, et ma thèse n'aurait pas fait 700 pages et quelques, puisqu'effectivement, qu'est-ce qu'on appelle un réseau ? Eh bien, c'est plus qu'une organisation, j'ai envie de parler de modalité d'engagement. Modalité d'engagement qui a ses caractéristiques et un certain nombre de spécificités, mais qui, contrairement à ce que l'on peut bien penser, n'est pas isolée dans la galaxie résistante, parce que la question du cloisonnement, j'y reviendrai, dans la question des réseaux, n'existe pour ainsi dire pas. Premier point qu'il faut retenir, c'est qu'on est face à des organisations qui n'en sont pas, qui sont davantage des engagements à la base individuels qui finissent par se fédérer, et qui finissent par rentrer en contact avec des interlocuteurs, des services secrets. Les réseaux sont le fruit d'une rencontre. Ils sont le fruit d'une rencontre entre une résistance pionnière, des résistants et résistantes, qui improvisent des modalités d'engagement et qui cherchent désespérément de l'aide en dehors des frontières. De l'autre côté, des services secrets créés dans l'urgence de la défaite. Le seul service secret qui va piloter des réseaux et qui préexiste à la Seconde Guerre mondiale, c'est le MI6, c'est-à-dire les renseignements britanniques. En juillet 1940, l'armée anglaise se replie à Dunkerque. Bon, alors, elle oublie, en plus, j'y reviendrai, elle oublie quelques soldats sur le terrain qu'il va falloir aider. Se pose la question du côté des états-majors, notamment de l'état-major anglais. Très bien, on a perdu tout pied sur le continent. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment reprendre pied ? Sur un continent dont on a été chassé, même le MI6 a perdu ses antennes de renseignement au moment de la débâcle de l'armée britannique. Autrement dit, l'enjeu, pour citer un rapport anglais, c'est de faire rentrer le loup dans la bergerie une fois que les portes sont fermées. Puisque se pose évidemment la question de comment implante-t-on ce type d'organisation depuis Londres quand on ne connaît rien de la situation sur le terrain. Eh bien, la chance, pour ainsi dire, c'est cette prise de contact entre ces services secrets et des résistants qui sont déjà sur le terrain.
Les réseaux ne sont pas spécifiquement des créations exogènes. Ils sont en fait la rencontre entre un besoin de revenir en Europe occupée et le besoin pour une résistance intérieure de trouver des interlocuteurs. Pourquoi faire ? Eh bien, pour financer l'activité clandestine. Plusieurs services secrets que l'on connaît, hein, donc à part le MI6 que je viens de citer, les Anglais improvisent dans l'urgence un service secret chargé des évasions, de récupérer les aviateurs et les pilotes et les soldats que l'on a oubliés au moment du départ de l'opération Dynamo. Puis ensuite, les aviateurs qui tombent au sol. Le service de renseignement britannique, le service de secret britannique en charge s'appelle le MI9. Qui trouve enfin son financement en juillet 1940, au moment où chaque homme compte pour organiser la défense, et donc chaque homme doit être récupéré. Du côté de la France libre, la création d'une section spécialisée dans l'évasion sera plus tardive, elle date de 1942, c'est la section E. Du côté anglais toujours, on citera un autre service secret qui lui a pour charge les opérations spéciales, c'est-à-dire le SOE. C'est ce qu'on a appelé les réseaux Action. Alors, de mon côté, j'ai proposé une tripartition, voire même une quadrilogie pratiquement de ces réseaux Action, puisque c'est derrière ces réseaux Action se posent en fait plusieurs modalités d'action, dont le sabotage que nous retenons tous comme cette espèce de climax, le résistant qui entre dans une commande en tour, deux Sten à la main, qui fait sauter un nombre incalculable de voies ferrées, etc. Ce sont des activités, effectivement, ce sont des modes d'engagement situés à la fin de la période 1943-1944. Les premières activités des opérations spéciales sont certes quelques opérations commando en France occupée, mais un des enjeux majeurs du SOE, c'est de créer en fait un pont, des moyens de passage pour infiltrer les agents et pour faire sortir les agents de France occupée. C'est ce que j'ai nommé les réseaux opératoires. Le deuxième type de sous-réseau, typologie de réseau action, c'est ce que j'ai appelé les réseaux préparatoires, c'est-à-dire en fait les réseaux qui vont réceptionner les armes et le matériel en attendant le déclenchement des ordres pour effectivement des sabotages, etc. Donc ce sont des réseaux préparatoires. Et enfin les réseaux saboteurs qui, eux, en théorie, doivent attendre qu'on leur donne l'ordre d'agir. En pratique, il est parfois un petit peu difficile depuis Londres d'expliquer à des résistants armés que vous attendez un peu avant de vous servir des armes. Certains veulent engager leur activité de manière plus visible et sonore. On pensera au réseau Farmer, notamment dans le Nord. D'accord, ce sont les réseaux saboteurs. Donc, on est du côté des opérations spéciales et le BCRA. Maintenant, lui aussi, les services de renseignement gaullistes vont évidemment être un acteur majeur. Un acteur majeur, donc je ne reviens pas ici parce que tout le monde connaît, je pense, a vu les mémoires de Vavrin, l'excellente thèse de Sébastien Albertelli sur le BCRA. Retenons toutefois un certain nombre de choses. C'est que le BCRA, effectivement, va réussir lui aussi à créer ses réseaux en France. D'abord en envoyant ses agents, Gilbert Renault, Maurice Duclos, etc., mais dont la chance va être de tomber sur des équipes déjà constituées sur le terrain. Comment se serait constituée la CND sans la rencontre entre Gilbert Renault et Louis de la Bardonie, qui accueille la première émission radio? Donc, une palette d'activités dans laquelle il va être très difficile de revenir, mais dans laquelle il est là aussi possible de distinguer un certain nombre de critères. Le premier critère, parce qu'évidemment, pratiquement, la question que l'on me pose toujours, c'est finalement combien ils sont. Excellente question. Alors, c'est un problème de source. C'est un problème de source puisque, en fait, l'ensemble des sources que j'avais à ma disposition était nécessairement rétrospective. C'était les dossiers d'homologation. C'était les listes d'homologation constituées. Je fais tout un chapitre pour en expliquer les limites, etc. Comme vous l'avez rappelé, à Liaglan, un certain nombre de réseaux en plus n'ont pas été homologués, notamment une cinquantaine de réseaux SOE, dont les chefs sont gentiment mis à la porte en septembre-octobre 1944 par le général de Gaulle en personne. 89 918, c'est le nombre que j'ai compté. Alors, comment j'ai fait ? Je les ai comptés un à un. À partir des listes d'homologation, c'était un peu long, qui ont un nombre surprenant de rectificatifs et d'additifs. Donc 89 918, qui est un nombre indicatif, évidemment. J'incline à penser qu'ils étaient plus nombreux. J'incline à penser que la question de la reconnaissance n'a pas permis d'identifier l'ensemble des agents sur le terrain pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'une partie des agents, en fait, sont morts. Deuxième chose,
ceux qui pouvaient avoir connaissance de l'identité de personnes dans leur équipe sont morts dans les camps. Troisième critère, eh bien, parfois certains n'ont pas pu être reconnus, ou alors plus tardivement. Donc, au niveau, effectivement, on a cette idée des réseaux en France occupée, une sorte de résistance franco-française. Ce que j'ai essayé de montrer dans mes travaux, c'est que c'était beaucoup plus compliqué que ça, puisque en fait, on a en France occupée, j'ai cité là les Britanniques, les Français libres évidemment, mais nous avons aussi les services secrets des États-Unis, nous avons aussi les réseaux tchécoslovaques, belges, polonais, néerlandais, pour ne citer que, même quelques Espagnols aussi. Des Belges qui ne se contentent pas d'être à la frontière franco-belge, mais vous avez des réseaux belges jusque dans le midi de la France, voire même jusqu'à Chambéry, en l'occurrence le réseau Coty. Voilà. Donc, ces types de modalités d'action n'existent que par les liaisons qu'ils sont en mesure d'entretenir avec le service secret dont ils dépendent. Alors, ça ne veut pas dire suggestion totale, et j'y reviendrai. Mais les réseaux ont besoin d'argent, parce que la clandestinité coûte cher. On ne s'improvise pas agent secret. On le devient. Mais on le devient sur le tas. Il n'y a pas de formation. Les quelques formations que l'on a à Londres, ce qui est très intéressant, c'est que les personnels parachutés depuis Londres, dans les rapports qui repartent assez tôt derrière, disent bah, « votre formation, elle sert un peu à rien », puisque la découverte des conditions d'engagement en France occupée, quelles que soient les 7 zones, met à bas l'ensemble des techniques qui ont pu leur être apprises à Londres. Et c'est ce qui causera d'ailleurs un certain nombre de catastrophes au passage. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aucun agent, aucun service secret n'a la moindre idée des conditions réelles en France occupée avant le mois de mai 1941. Les deux premiers agents du SOE, Pierre de Vaumécourt et Georges Béguet, d'ailleurs l'inverse, Georges Béguet, le premier opérateur radio, est débarqué en mai 1941, parachuté en mai 1941. Il est 1941, le suivant Pierre de Vaumécourt est lui-même parachuté quelques jours plus tard, manque de se faire prendre dans la foulée. Pourquoi ? Parce qu'en entrant dans un café, il demande un café avec de l'alcool. Le patron lui répond « joue sans ». Pour jour sans, il ne comprend pas. Donc il s'en va. Et 10 minutes plus tard, là, arrive. Et commentaire de Pierre de Vaumécourt, on était très bien informés sur la situation en France du point de vue du SOE. Voilà. En fait, les connaissances sur la France occupée sont le fait d'une agente chilienne du SOE, Giuliana Balmaceda, envoyée d'ailleurs de manière tout à fait légale en France, puisqu'elle est chilienne, pays neutre, et qui parvient, en fait, qui ne fait pas de renseignements militaires, etc. Elle, ce qu'elle note, c'est les conditions de circulation des trains, la question des tickets de rationnement, les horaires des trains, le nombre de contrôles, voilà, des choses à peu près très utiles ensuite dans la clandestinité. J'avance un petit peu, effectivement, dans la question des liaisons se pose la question des opérateurs radio. Ça fera le lien avec la répression ensuite. La principale ennemie des réseaux, ce n'est pas la Gestapo. La Gestapo est un terme beaucoup trop générique pour désigner le kaléidoscope des polices allemandes, vichistes, italiennes, et ainsi de suite. C'est l'Abwehr. C'est le contre-espionnage. Alors, les opérateurs radio, vous connaissez évidemment toute la difficulté qu'il y a eu à envoyer, à créer des opérateurs radio. Vous connaissez aussi leur faible espérance de vie, qui n'est pas une sinécure. En mois de juillet 1942, rapport de Pierre Julit qui part à Londres, expliquant qu'en 20 minutes, un opérateur radio est logé, en 40 minutes, les Allemands sont devant la porte. Comment le sait-il ? Eh bien, ils ont fait des tests. Alors, ces tests se sont parfois plus ou moins bien déroulés, puisque un opérateur radio se fait prendre, son équipe de protection lui a dit « quand on sonne, il faut que tu t'en ailles », la sonnette était en panne. Donc, la cible privilégiée de la répression, ce seront les opérateurs radio et les agents de liaison. Pourquoi ? Parce que les Allemands identifient très tôt qu'à partir du moment où on coupe les liaisons internes ou on coupe les liaisons externes, le réseau meurt. Ce qui est particulièrement impressionnant avec les réseaux de résistance, c'est la capacité des services secrets à renouveler sans cesse leurs effectifs sur le terrain, à condition que la liaison soit maintenue. Si la liaison n'est plus maintenue, le réseau meurt. Autrement dit, quand on observe effectivement les listes de répression, on voit effectivement une surreprésentation des agents de liaison
femmes et hommes, évidemment, des opérateurs ou opératrices radio, femmes et hommes. Ce n'est pas tant qu'on puisse en déduire une spécificité quelconque de l'activité, ce sont des cibles prioritaires. Et c'est parfaitement assumé du côté des Allemands. J'en arrive justement à la question de l'expérience combattante. Puisque ce qui m'a beaucoup intéressé, ce n'était pas tant de faire l'histoire des réseaux de résistance que de faire l'histoire des agents sur le terrain. Donc, on ne part jamais de rien. J'ai mobilisé effectivement un certain nombre d'outils des sciences sociales, la sociologie, les études de genre et ainsi de suite. On ne part jamais de rien. Mais il faut bien reconnaître que ce qui m'a intéressé, ce n'est pas tant le nombre de parachutages d'un réseau que comment le parachutage était vécu par les agents au sol. C'est ce que j'ai appelé une ronde des sensations, c'est-à-dire finalement cette attente dans la nuit, parfois 4, 5 nuits d'affilée, en attendant que l'avion vienne, dans la campagne avec l'odorat, la campagne, et puis soudain le bruit de l'avion qui arrive, la vue, on voit l'avion arriver, cette toile blanche qui descend vers le sol. Ce n'est pas simplement un conteneur qui touche le sol. C'est que sur ce petit bout de terrain choisi et validé par la RAF, les résistants sur le terrain comprennent qu'ils font partie d'un tout. Et que cette guerre à laquelle ils participent n'est pas limitée à leur bout de terrain de parachutage. Elle s'inscrit dans une dimension beaucoup plus transnationale, elle s'inscrit dans une dimension beaucoup plus large. Je me suis beaucoup intéressée à ce que j'ai appelé les stratégies de dissimulation, c'est-à-dire la manière dont les agents s'efforcent de se dissimuler. Ce n'est pas toujours une franche réussite. Pour une simple et bonne raison, c'est que face à eux, comme je vous disais, il y a des vrais professionnels. On a beaucoup glosé sur les agents qui effectivement font des erreurs, c'est pas bien, etc. Mais il faut bien comprendre qu'en face, nous avons des soldats allemands, des intellectuels particulièrement brillants. Ça a été étudié notamment par Christian Grau, les intellectuels de la SS. Aucune faute ne pardonne. Et donc, effectivement, l'histoire des réseaux est celle d'une tragédie. Je parlais tout à l'heure effectivement de cette capacité à renouveler sans cesse les pertes. Il n'empêche qu'effectivement, la mort, la souffrance, les émotions, la douleur étaient souvent au bout du chemin et c'était d'ailleurs parfaitement connu. La question du rapport au temps des agents, elle est extrêmement claire. On leur dit dès le début, vous allez vous faire prendre. Et quand vous mourrez, vous allez mourir parfois, mais on l'entend dans certains témoignages. Alors, ce qui est très intéressant, c'est la manière dont cette information est intériorisée. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est de constater que précisément, à chaque fois, le réseau a toujours pu renflouer ses effectifs en étant tout à fait clair sur les conditions d'engagement. J'en suis arrivée à m'intéresser aussi aux dynamiques de la répression et pas tant à comprendre, à faire la liste des morts. Effectivement, j'ai compté 14% de pertes, mais après, ça va varier en fonction des réseaux. Certains réseaux sont intégralement détruits, d'autres survivent, mais tous les réseaux ont connu à un moment ou à un autre des catastrophes. Et puis, il faut aussi citer l'importance des traîtres qui sont évidemment infiltrés par l'Abwehr, parfois même son proche ami. Évidemment, nous avons quelques exemples. Il n'empêche que la capacité à faire parler les agents captifs a été une très forte arme de la répression. Après la guerre, il a été beaucoup dit que l'agent ne parle pas, meurt sous la torture, et ainsi de suite. Dans les faits, les dynamiques de la répression et les documents, en fait, pour être très franc avec vous, le premier document que j'ai ouvert dans toute ma thèse, c'était un récit de torture. C'est le premier. Donc, je suis sortie à peu près tout de suite. J'ai appelé ma directrice de thèse en me disant « qu'est-ce que je fais ?» Et en fait, plus j'avançais, plus je voyais ça. Donc, en fait, j'en suis venue à me poser la question, effectivement, de cette période, un petit peu cette espèce de moment, parfois couvert d'un euphémisme, parfois caché, parfois difficile à aborder. C'est un gênant, puis évidemment, la torture. Et je ne me suis pas intéressée, je n'ai pas voulu faire un récit qui soit, ni euphémisé, ni une sorte de description ad nauseam en ample pouvoir, mais je me suis intéressée à l'expérience du corps. Puisque finalement, le corps, c'est la question du corps du résistant et de la résistante. La torture est une violence sexuelle, pour le dire très simplement. Et les méthodes employées par les Allemands comme par les Italiens font appel à ces violences sexuelles qui sont d'une efficacité redoutable. Je terminerai par la question de la sortie de guerre. Quand on a vécu une expérience aussi paroxysmique, quand on a vécu dans sa chair l'angoisse, la peur, mais aussi la souffrance de la déportation ou de l'interrogatoire. Sortons vraiment de la guerre.
jusqu'à très tard, jusqu'à la fin. D'ailleurs, jusqu'à la fin de leur vie, un certain nombre de résistants ont adjoint à leur nom de famille leur nom de résistant. Il y a eu évidemment des commémorations. Mais ce qui est ressorti, c'est finalement, comme on était dans le cadre de services secrets et qu'évidemment un certain nombre d'agents ont été récupérés ensuite par la DGER, ensuite par le NICIX, ensuite par la CIA et ainsi de suite, on le retrouve certains dans les sections spéciales en Indochine, enfin, des trajectoires très intéressantes à observer, mais sortons vraiment de la guerre. Quelque chose, et je terminerai par là, qui m'a beaucoup surpris, beaucoup intéressé aussi, c'est que pendant très longtemps, il y a eu très peu de publications, mais que j'observais des dates de publication qui étaient généralement un an ou deux ans avant la disparition de l'agent. Je pense à Georges Brossine, par exemple, 82 ans, qui meurt l'année suivante. Sortons vraiment de la guerre quand on a connu cette expérience aussi paroxysmique, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, évidemment, donc, tout cela est un rapide résumé de mes travaux, et j'ai tendance à dire qu'au milieu de tout ça, je dirais que je suis quand même assez modeste, parce que j'aurais voulu dire beaucoup plus, et finalement j'ai dit peu, puisque je ne prétends pas, et je ne revendique pas devant vous, d'avoir terminé cette histoire, et que l'ouvrage que j'ai pu faire paraître est l'histoire définitive des réseaux de résistance. Au contraire, je dirais que les chantiers sont encore immenses et que le travail continue. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Guillaume Pollack. Alors, on va demander à Alia. On peut faire ça si on veut. On peut poser des questions et puis après, vous conclurez, Alia, si vous voulez bien. Bon, alors allons-y. Avez-vous quelques questions à poser? Alors, attendez, j'arrive avec le micro parce que sinon, personne ne vous entendra. Bonsoir. Bon, déjà, j'ai trouvé remarquables les exposés qui viennent d'être faits. Et ceci, j'aurais une remarque à faire, c'est que je m'intéresse, pour des raisons amicales, au sort de quelqu'un, d'une personne, dont le nom figure sur la plaque qui est au Musée de l'Homme, sur les personnes qui sont mortes pour la France. Il y a à peu près 20-25 personnes. Et c'était vrai. En vous entendant, j'ai retrouvé, parce que nous sommes intéressés pour des raisons amicales à cette histoire-là, on a même un début de dossier. Cette personne s'appelle Colette Stauffer. Elle est sur cette liste. En réalité, elle n'était pas membre du réseau du Musée de l'Homme. Elle n'a jamais travaillé au Musée de l'Homme, mais elle est là. Et d'ailleurs, en nous demandant un peu pourquoi, en fait, elle était membre d'un réseau qui s'appelle JED. JED Fitzroy. Elle était membre du réseau Jed Fitzroy. Et ce que je voulais dire, c'est que cette femme, elle est née en 1910 à Amiens, c'était une Alsacienne, décédée en 1945, on ne sait pas vraiment où, probablement à Mauthausen, avec Nuit et brouillard. Mais donc, en fait, et je trouve qu'elle illustre très bien tout ce qui vient d'être dit sur le caractère individuel, sur ce voyage vers la mort qu'elle a fait. C'est une assistante sociale qui était célibataire, sans enfant, donc alsacienne, et elle est allée vers la mort. Elle était opérateur radio, donc elle a été reconnue morte pour la France. Mais j'ai trouvé en vous entendant que ça illustrait très bien, parce que c'est quelque chose, y compris d'ailleurs, il y avait aussi le premier aspect qui était Vichy, puisque dans le dossier, nous avons trouvé une lettre de Debrinon qui demandait au préfet de police pourquoi cette femme a été arrêtée. Bon. Alors, le préfet de police a répondu, non, mais c'était quelqu'un de très bien. Enfin bon, c'est un peu. On voit, il y a toute une série de choses. Mais j'ai trouvé vraiment, et je vous fais tous mes compliments, parce que l'histoire que pour des raisons amicales, on essaye d'investiguer sur ce dossier-là, de mademoiselle, on n'a jamais été mariée, Colette Stauffer. Et donc, effectivement, j'ai retrouvé ces points très importants que vous avez cités. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions, monsieur? Bon, tout d'abord, merci pour les deux présentations qui étaient vraiment très intéressantes. Moi, j'ai une question sur les réseaux, du coup. Pour savoir, est-ce que vous connaissez les profils sociologiques des gens qui participaient au réseau et aussi la répartition, on va dire, genrée? Et j'avais aussi une deuxième question sur la Légion, parce que je n'ai pas trop compris qu'est-ce qu'ils faisaient au final, parce qu'ils étaient 1 million, c'est quand même pas mal. Et il y en avait, bon, si je vous repris, dans les Alpes-Maritimes, ils étaient très engagés politiquement, mais les autres, ils faisaient quoi? Est-ce que c'était plus un truc de sociabilisation où ils
vivaient des coups entre eux en se disant la France avant c'était mieux, ou est-ce qu'ils concrètement ils essayaient de voilà. Ben oui, oui, c'est un peu paradoxal, mais c'est intéressant aussi. Peut-être Anne-Sophie répond d'abord un peu sur la. Sur la question de oui, bah merci, légionnaires. Merci pour cette question. C'est un grand défi du sujet, c'est qu'ils sont 1 million et qu'ils ne font pas grand-chose. Enfin, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de manifestations nationales. C'est, en termes de propagande, c'est énorme. Ensuite, en termes locaux, encore une fois, ça dépend des sections. Il y a quand même des villes où, par exemple, alors, ils font beaucoup d'actions sociales, par exemple. Ils font la charité, quoi, en fait, selon des critères tout à fait… ils décident qui est digne de charité, qui n'est pas digne de charité, bien sûr. Parfois… ils essayent un peu de faire régner l'ordre en allant se plaindre partout que le ravitaillement n'est pas bien fait, qu'ils voudraient gérer le ravitaillement eux-mêmes. Enfin, ceux qui sont très actifs sont assez nuisibles, on va dire, pour leur entourage, y compris pour l'administration qui, en général, n'en peut plus d'avoir des légionnaires qui viennent les voir tout le temps pour donner leur avis. Après, c'est vrai que ça reste une minorité et la majorité, en fait, ne fait pas grand-chose. C'est-à-dire fait un peu la même chose que dans les associations d'anciens combattants dans l'entre-deux-guerres. Donc, le banquet en moins, parce qu'on ne fait pas de banquet sous l'occupation, ça ne se fait pas. Mais c'est vrai qu'ils se réunissent assez peu autour du monument aux morts. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, quelque part, pour eux, il n'y a pas tellement de différence. Et pourtant, on met une photo du maréchal Pétain derrière et... enfin. Parfois, les gens s'interrogent en disant « mais c'est quand même très différent de faire ça sous un régime autoritaire et en démocratie ». Eh bien, pas pour eux, en fait. C'est-à-dire que pour eux, c'est un peu la même chose. Donc, c'est effectivement des sociabilités qui continuent avec des niveaux d'activité variables, mais en fait, ce n'est pas grand-chose. Voilà. Guillaume ? Alors, on est d'accord. Je voulais ajouter quelque chose à ce qu'a dit Anne-Sophie. Excusez-moi. Je voulais ajouter quelque chose à ce qu'elle vient de dire. On les appelait les yeux et les oreilles du maréchal. Et donc, ce qu'elle appelle assez gentiment leur côté néfaste ou nocif, c'est on ne connaît pas leur rôle dans la délation. Et c'est, ça fait le lien entre les deux, si j'ose dire, entre les clandestins ou les réprouvés, enfin tous ceux qui portent l'étoile jaune et qui sont peut-être cachés en zone sud notamment. Donc la Légion, je dirais, tient le terrain. D'ailleurs, vous l'avez montré, Anne-Sophie, ils tiennent le terrain. L'espace public, parce que finalement, il n'y a que eux qui ont le droit de pavoiser, enfin, ils n'ont pas le droit de pavoiser, mais enfin, de défiler, d'occuper l'espace public, comme s'ils représentaient plus que les 20% de la population qu'Anne-Sophie a dénombrée. Et c'est pour ça que sa thèse est très précieuse, parce que non seulement elle les a regardés de près, elle les a comptés, parce qu'elle était assez fascinée par l'idée qu'il y avait un Vichy au village et qu'elle voulait voir de près, donc avec tous les instruments de l'histoire quantitative, très précisément. Combien, ce qu'ils faisaient et à quelle époque ? Alors, pour moi, pour la question de la sociologie, on est d'accord qu'on est là jusqu'à demain matin parce que le temps que je vous fasse la sociologie des 268, ça va être dur. Non, en fait, il y a autant de sociologie qu'il y a de réseau et j'ai presque envie de vous dire qu'il y a autant de sociologie qu'il y a de secteurs dans le réseau. En fait, la question de la sociologie rejoint celle de qui on recrute. Et la question du recrutement dans les réseaux, c'est éminemment fonctionnaliste. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un club privé dans lequel on entre sur invitation. Et on entre sur invitation, il ne suffit pas de dire « je veux être résistant », il faut que pour les réseaux, vous ayez une utilité par votre situation professionnelle ou votre situation géographique. Je m'explique. C'est-à-dire que, par exemple, pour un réseau de renseignement qui doit infiltrer une base maritime, l'Orient, au hasard, enfin, Toulon, etc., qu'est-ce qu'il est plus simple ? Est-ce qu'il est plus simple d'infiltrer un agent depuis l'extérieur ou de s'adresser à quelqu'un qui est déjà à l'intérieur ? Donc, voilà, vous voyez, c'est éminemment fonctionnaliste et c'est une démonstration de pragmatisme à grande échelle. Ce qui nous amène effectivement à la question du genre et du recrutement des rapports entre genre et résistance. Ça a été très scruté, on pensera aux travaux de François Stébaud, Paula Schwartz, Catherine Astoll, pour ne citer qu'elle. En fait, là aussi, la question est complexe parce que à la fois, on va avoir un affaiblissement des normes genrées et des normes sociosexuées par rapport au temps de paix, c'est-à-dire qu'on va engager des femmes au combat et on va les engager sur le terrain. D'ailleurs, un certain nombre d'entre elles vont y mourir, et dans le cas des Anglaises, par exemple, qui vont mourir en plus dans des conditions parfaitement sordides à l'été 1944, ça va déclencher une véritable polémique en Angleterre, au point où aujourd'hui, où la mémoire en fait, de la résistance des réseaux en Angleterre, ce sont les femmes. Mais pas n'importe lesquelles, c'est très sélectif. Par exemple, les communistes, beaucoup moins. Voilà. Mais en fait, toute la question qui se pose là-dessus, c'est quels engagements ? Qu'est-ce qu'on va demander à un agent ? Et effectivement, là, deux choses. C'est que d'une part, on se dit que les Allemands vont moins soupçonner les femmes,
ça ne tient pas et les Allemands qui ne sont pas idiots se rendent bien compte assez rapidement qu'eux. Et deuxièmement, c'est toujours la question de pourquoi on recrute. En fait. Ce qui fait que, par exemple, dans un réseau de renseignement, vous allez avoir des agents de renseignement qui vont être généralement des hommes, mais pour une raison très simple, c'est que les métiers auxquels on s'adresse sont des métiers déjà masculinisés avant la guerre. Vous voyez ? Donc, voilà, il n'y a pas de réponse simple à cette question, mais voilà. Mais j'ai donné quelques éléments. Si je peux ajouter encore un mot, c'est pour répondre à la question. Oui, c'est vrai, la thèse fonctionnaliste peut être élaborée aujourd'hui, mais il y a quand même un lien de confiance. Et donc, sans savoir ce qu'on va faire, on peut participer à la résistance sans être encore agent, parce que la définition de l'agent, c'est un peu, c'est l'homologation qui vous la donne. Et donc, c'est souvent de proche en proche, sans que l'on sache exactement. Mais l'idée, enfin, c'est ce que disent les résistants, c'est qu'ils ont envie de faire quelque chose. Et mais on va faire quelque chose. Et donc, la confiance, elle est essentielle. Et donc, c'est un peu le lien. Pour compléter, puisque je viens de faire un article pour Inflexion sur la question de la confiance, il y a la question de la confiance, mais en fait, la question aussi qui se pose, c'est que pour étendre le réseau, on est obligé de s'en remettre à l'autre. C'est-à-dire que c'est aussi un pari dans le cadre. C'est aussi un pari. L'autre peut être aussi bien un allié qu'un ennemi. Alors, je me permets de compléter parce que on vient de démonter une exposition qui a duré 4 mois et demi ici, qui s'appelle « Les agents secrets du général », donc qui recoupe en partie, pas uniquement, puisqu'il n'est pas question uniquement de réseau, mais très largement, puisqu'il s'agit des agents du BCRA en particulier, donc envoyés pour constituer, etc. Et il y avait, à la fin de cette exposition, quelques témoignages d'anciens agents compagnons de la Libération, et certains avec des noms connus et d'autres pas, et Robert Masson, qui était le patron du réseau Sanson, raconte très simplement qu'un jour, on l'envoie à Bordeaux rencontrer un contact. Le contact ne lui plaît pas, il coupe absolument tout le pont, il rentre et il dit que c'était purement instinctif parce que j'avais aucune raison logique d'analyser quoi que ce soit. Il dit, mais finalement, mon instinct m'a préservé parce que ce type a fait des dégâts considérables quand il est rentré dans l'organisation. Voilà. Mais donc, il y a cette part de pari qui est liée à la rencontre humaine et qui est vraiment du pile ou face quand même. Quand on est au dehors du cercle de sociabilité très amical ou très familial, on rencontre des gens, on recrute et effectivement, on recrute pas sur CV. Donc, c'est compliqué. Y a-t-il d'autres questions avant qu'on conclue ? Monsieur, j'arrive. Bonsoir et merci pour vos exposés très intéressants. Je vais vous poser une question qui s'adresse aussi bien à la Légion qu'au réseau. L'impact de la montée en puissance des mesures antisémites pour les étoiles jaunes, les RAF, quel a été l'impact sur les effectifs de la Légion et est-ce qu'ils ont joué un rôle et sur les réseaux de l'autre côté, est-ce que ça a provoqué plus de... Y a-t-il des courbes inversées finalement? Non, en fait, pas tellement. C'est-à-dire qu'effectivement, la Légion est un peu, alors dès le départ, est assez, on va dire, antisémite, mais c'est pas sa raison d'être quand même. C'est pas le sujet principal, mis à part certains personnages. Voilà. Ensuite, la Légion, comme tous les organes de propagande, est enrôlée au moment des RAF. Justement, on voit beaucoup plus d'antisémitisme dans la presse légionnaire parce que c'est le moment où le gouvernement essaye de se justifier en fait auprès de la population. Et donc, la Légion est enrôlée là-dedans. Mais au final, ça dure pas tellement. Et je n'ai pas eu l'impression que ça ait beaucoup d'effet sur les effectifs. C'est-à-dire qu'il y a très peu de protestations à l'intérieur de la Légion. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, notamment chez les cadres de l'organisation, c'est eux qui parlent le plus, c'est que vraiment, pour eux, la collaboration, ce n'est pas vraiment leur problème. Et c'est-à-dire qu'eux sont vraiment pour la Révolution nationale. Et tout ce que Vichy fait pour collaborer, bon, on n'a pas à commenter. On n'a pas à commenter la poursuite de la guerre, des choses comme ça. Et donc, tout ça, ils considèrent que ce n'est pas leur problème. Alors, ça ne les empêche pas d'aider, par exemple, en tenant des listes de requis pour le STO, éventuellement les dénonçant, mais ils considèrent simplement que c'est une question de justice. Quoi. Il faut obéir à la loi de Vichy, mais ils ne prennent jamais position. Et donc, pour eux, c'est un peu difficile. Enfin, aujourd'hui, on a un peu du mal à l'imaginer, mais ce n'est pas du tout contradictoire. Ils peuvent être personnellement pour ou contre les mesures antisémites, mais ça n'a pas forcément d'impact en fait, sur le fait qu'ils soient légionnaires. Bien.
Vous vouliez dire un mot, Léa ? Oui, je crois que pour moi aussi, alors faut bien comprendre aussi que dans les réseaux, et peut-être même au début, vous aviez de tout, y compris des antisémites. Voilà. Donc, ça c'est le premier point. Donc, ça peut, voilà. Donc, ensuite, sur la question de l'antisémitisme et des persécutions, les réseaux du MI9 notamment ont l'ordre au début de n'évacuer que des Anglais. Et à l'exclusion de toutes les autres, il y a un moyen très clair de dire, c'est que vous évacuez quelqu'un d'autre, on vous coupe les vannes. Alors, ce qui ne veut pas dire que certains réseaux n'ont pas évacué les Juifs, mais là, on parle vraiment des réseaux MI9, hein, d'accord ? Et d'évasion, plutôt. Pardon. Qui, eux, ont leur raison de vivre, c'est les soldats. Ensuite, non, très clairement, l'augmentation des effectifs en 42-43 est vue plutôt comme la conséquence de la rationalisation et de l'étoffement des réseaux et de leur montée en puissance et du fait qu'on leur en demande beaucoup plus dans un contexte où on commence à se poser la question du débarquement. C'est pour ainsi dire par leur objet. Alors, cela dit, je signale qu'on a fait une exposition l'année dernière qui est en ligne d'ailleurs, sur les Juifs dans la Résistance. Donc c'est en ligne, sur le musée de la Résistance en ligne notamment, ça pourra peut-être vous intéresser, ça date maintenant, je crois qu'il y a un an à peu près. Bien, une dernière question peut-être, ou alors on va demander à Alia de conclure. Qui a une question? Ah, j'arrive. C'est pour tout. En fait, ce n'est pas une question, c'est simplement pour vous, enfin pour ceux qui l'ignoreraient. Sur France Culture, il y a dans le cadre des nuits spéciales, il y a environ 29 heures d'enregistrement qui ont été réalisées en 1964 de résistants. Alors, il y a tous les grands noms, enfin encore vivants de l'époque, Freinet, etc., Chaban-Delmas, et j'en passe, Marie-Madeleine Fourcade. Mais il y a aussi des dizaines et des dizaines de parfaits inconnus qui raconte justement, et ça me rappelle, enfin c'est en écho de ce que me disait Monsieur Polak, c'est la façon dont, à partir d'actes de résistance, enfin au départ presque futile, hein, tracer un V sur un mur, comment à partir de ça ça s'agglomère, et après effectivement la question du financement et de la liaison avec Londres. Voilà, France Culture, nuit spéciale, 29 heures de l'entretien, c'est pas mal. C'est vous cherchez nuit, c'est pas forcément facile à trouver sur leurs moyens de moteur de recherche interne, mais avec Google c'est plus facile. Nuit spéciale, les nuits de la résistance, quelque chose comme ça. Merci pour vos exposés brillants et synthétiques. J'avais une question concernant les réseaux. Vous avez dit au début que le MI6 par exemple avait été contacté, mais ce contact, il est à l'origine le MI6 qui contacte les résistants, ou plutôt l'inverse? Merci infiniment. Alia, si vous voulez bien, oui, mais c'est mieux, parce qu'on vous verra mieux à l'écran, en tout cas. Bon, alors pour conclure, à la demande de Vladimir, je fais une conclusion très générale qui ouvre sur les renouvellements historiographiques, hein, concernant la Seconde Guerre mondiale. Alors, il y a trois manières de renouveler l'historiographie. Par
la découverte de nouvelles archives, par l'élaboration de nouvelles questions. Et puis, la troisième manière de renouveler, c'est de changer les perspectives. Et donc, c'est l'occasion de féliciter encore nos deux historiens parce que ils ont fait tout ça. Parce que le renouvellement par les archives, c'est par exemple en 2015, quand se sont ouvertes les archives du Vatican et que les historiens de la Seconde Guerre mondiale ont pu aller voir ce qu'est finalement ce gouvernement du monde, qu'est le Vatican. Et donc, de très riches travaux qui vont continuer. C'est pas à l'instant T où s'ouvrent les archives que tout se renouvelle. Ça va donner des renouvellements au moins pour les 30 ou 50 prochaines années. Donc là, évidemment, il y a beaucoup de travaux qui sont en train de... et qui vont sortir. Et d'ailleurs, il y a une grande exposition au mémorial de la Shoah en ce moment sur les églises et le Vatican dans les persécutions antisémites, ou plutôt le sauvetage. Donc ça, c'est un des grands renouvellements permis par l'ouverture de ces archives. Et d'autres archives, alors plus à des échelles plus modestes, s'ouvrent, parfois se referment, on ne sait pas comment, mais ça, c'est les mystères des archives. Par exemple, les archives départementales ne sont pas assez sollicitées, et Anne-Sophie Anglarès s'en est beaucoup servie, et donc ça donne un autre point de vue. Donc ça donne à la fois des archives qui ne sont pas nouvelles dans le sens où elles n'étaient pas fermées, mais que personne ou presque n'était allé solliciter, et surtout n'était allé solliciter dans une perspective de faire l'histoire d'une organisation, mais vue sur le terrain très local. Donc ça fait partie des grands renouvellements. La deuxième manière de procéder, c'est chaque génération appréhende la recherche historique d'une certaine manière. Je parlais de l'appétence d'Anne-Sophie pour l'histoire quantitative. Alors, c'est sûr qu'elle ne l'a pas inventée, mais elle a aiguisé les instruments de l'histoire quantitative pour aller voir au plus près comment compter et élaborer des résultats. Quant à Guillaume Pollack, c'est aussi appuyé sur les apports de l'historiographie générale, qui ne sont pas celles de la Seconde Guerre mondiale seulement, parce qu'on a oublié de le dire, mais il est allé voir les réseaux qui étaient en Afrique du Nord, en Indochine, alors qu'ils n'avaient été quasiment pas étudiés. Et pourtant, on savait qu'il y en avait, mais pas dans cette proportion. Donc, décloisonner, ouvrir les perspectives, poser de nouvelles questions, c'est vraiment comme ça qu'évolue la science historique. Et évidemment, alors je ne pourrais pas vous faire tout un cours sur l'historiographie de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est ce qui bouge en ce moment. Et l'un des grands renouvellements, par exemple, de ces 20 dernières années, ça a été comment on a procédé aux spoliations antisémites, aux restitutions, jusqu'à finalement une mémoire de ces restitutions, sur le temps très long, comment certains pays comme la Bulgarie, je pense à des travaux récents sur la Bulgarie, où on pensait que dans certains territoires de la Bulgarie, les Bulgares avaient protesté contre les déportations antisémites, et des travaux très récents disent attention, mais si on regarde sur l'ensemble du territoire de ce qui est devenu la Grande Bulgarie, ce n'est pas du tout la même chose. Donc si on regarde effectivement ce qui se passe à Sofia, il y a des protestations, et puis finalement, on se dit, les Bulgares n'ont pas livré les Juifs aux Allemands. Et par contre, si on regarde les territoires acquis, grâce à l'alliance avec le Troisième Reich, on voit que dans ces territoires, au contraire, ils ont été livrés. Donc, vous voyez que ces jeux d'échelle dont je parlais tout à l'heure, ce que l'on voit à l'échelle des localités, ce que l'on voit à l'échelle des régions, ce que l'on voit aux échelles nationales ou ce que l'on voit à l'échelle mondiale, puisque c'est une guerre mondiale, ce sont des renouvellements. Et l'un des exemples dont Guillaume a profité, en fait, chacun profite des renouveaux généraux. Alors, de ce qu'on appelle l'histoire globale ou de l'histoire mondiale, c'est de voir comment circulent ces agents déjà à travers les différentes frontières, comment la France libre s'est appuyée sur toute une
des comités mondialement organisés, enfin qui étaient organisés sur chaque continent, dans chaque pays, et comment la France libre s'est servie de ces soutiens mondiaux pour pouvoir exister. Donc voilà, ces renouvellements en cours, alors, je ne suis pas du tout exhaustive, hein, je vous parle de ce qui me traverse l'esprit à l'instant où je vous parle, mais voilà, c'est souvent des déplacements de regard, des décloisonnements, et parce qu'évidemment, en histoire, on a un rapport très particulier au temps et à l'espace. Mais quand on change d'espace, c'est-à-dire quand on change l'espace d'observation, on est souvent amené à changer les bornes chronologiques. On se dit, mais finalement, ce phénomène, ça commence bien avant. Et de même que quand Anne-Sophie regarde ses légionnaires, la fatidique date de novembre 1942 ne correspond pas, parce que sur le terrain, elle voit finalement peu de changements, alors qu'on pensait la Légion complètement dépassée après l'occupation allemande de la zone sud et l'agrandissement de la zone italienne. Et donc l'un des renouvellements sur l'histoire de l'occupation, je trouve, ces dernières années, c'est précisément d'étudier l'occupation italienne, parce que les Italiens, ils ont été pas mal oubliés, donc on a quand même des travaux qui reviennent. Alors ça s'appuie aussi sur les travaux de Marianne Matar-Bonucci hein, sur ce fascisme, cette fausse indolence des Italiens, leur soi-disant piètre vertu militaire. C'est Goebbels hein, le premier qui dit que les Italiens c'est des mauvais militaires, c'est des piètres. En vérité c'est des très bons tortionnaires aussi. Si on regarde de près c'est ce qu'ils font. Voilà, ça dépend à quelle échelle on regarde et à quelle échelle. Donc voilà, l'historiographie en général, c'est toujours la conquête de nouveaux territoires et c'est ce qui rend l'histoire passionnante. Et je pense que dans ces thèses, dans ces deux thèses, il a été conquis de nouveaux territoires, de nouveaux espaces de réflexion, ce qui ne limite absolument pas. On n'a jamais terminé et on va toujours continuer en posant de nouvelles questions, en ouvrant de nouveaux territoires. Moi, je suis très curieuse de voir ce que fait la Légion en Afrique du Nord, mais ça, je l'ai déjà dit à Anne-Sophie. Moi, je veux savoir ce qu'ils font. Donc voilà. Donc de nouvelles pistes de recherche pour vous, peut-être Anne-Sophie et pour Guillaume. On n'a pas trop eu le temps d'aborder. On aurait pu vous poser la question, mais on va vous épargner la réponse sur éventuellement vos secteurs, vos pistes de recherche futures. Et parce que le temps a passé. Merci infiniment, chère Alia Aglan, Anne-Sophie Anglaret, Guillaume Pollack. Donc, je rappelle simplement que d'abord, je pense qu'on peut vraiment les applaudir. Voilà. Voilà, merci vraiment à eux. On se retrouve dans un mois, donc le jeudi 15 décembre, pour parler tout à fait d'autre chose, des acquisitions du musée. Je veux aussi remercier Sébastien Rocher qui s'occupe de la technique avec Pauline Fabry également, grâce à qui nous sommes relayés dans le monde entier et en direct. Voilà, et merci à tous. Bonne soirée, au revoir.